Avec son impressionnante série de 7 victoires consécutives, l'OL est lancé comme un boulet de canon en cette fin de saison pour supplanter Monaco et Marseille et ainsi tenter de conserver jusqu'au bout la deuxième place. Troyes de son côté vient de remporter une victoire importante face à Caen, mais reste barragiste. L'Estac a le même nombre de points que Lille, premier relégable, et compte 2 unités de retard sur Toulouse, le 17e. Bruno Genesio est privé d'Anthony Lopez qui purge le premier de ces 3 matchs de suspension. C'est Mathieu Gorgelin qui est dans la cage. Memphis Depay est en pointe, Mariano remplaçant. Le corner de Memphis Depay est repris par Roussem Aouar et dévié astucieusement par Bertrand Traoré qui trompe Zelazny. 28 minutes de jeu, l'OL mène 1-0, 12e réalisation pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam. L'attaque lyonnaise toujours aussi prolifique. Bertrand Traoré qui découvre la Ligue 1 Conforama cette saison n'a pas eu besoin de nombreux mois d'adaptation. Il signe ici un doublé, 13e but pour lui. L'OL a fait le break, 7e réalisation sur les 8 derniers matchs pour l'international burkinabé. Très beau travail sur le côté de Mendy et la tête appuyée. Zelazny touche le ballon mais ne peut l'empêcher de franchir la ligne. L'Estac est la 19e équipe en 2018. Elle est menée 2-0, cette formation de 3 face à l'OL, toujours aussi prolifique et qui vient d'inscrire ici ses 80 et 81e but en championnat, le record du club qui augmente semaine après semaine. Memphis Depay, auteur de 16 buts, s'essaye de loin. Belle présence de Zelazny. Mathieu Gorgelin sera impeccable lui aussi sur ce coup franc qui prenait le chemin de la lucarne. C'est Azamoum qui avait bien travaillé son ballon. Et Mathieu Gorgelin, l'habituelle doublure d'Anthony Lopez, fait bien le boulot avec cette petite manchette main gauche. La sortie de Nabil Fekir en fin de rencontre et l'entrée de Maxwell Cornet. L'Ivoirien ne va pas attendre très longtemps pour s'illustrer. Ballon dans la surface de réparation. L'angle est très restreint. Pour autant, avec sa frappe du pied gauche, il trouve la faille. Maxwell Cornet pour inscrire le but du 3-0. Quatrième réalisation pour Maxwell Cornet. Les Lyonnais qui ont énormément d'efficacité ces dernières semaines restent fidèles à leur précepte offensif et vont donc s'imposer 3-0, 8e succès de rang pour l'OL qui conforte sa place de dauphin. 3 devient premier relégable.